Et les gars, petite astuce sur WhatsApp quand tu es sur ton laptop et que tu essaies de chat, tu parles à quelqu'un et puis il y a une notification qui apparaît sur l'écran. Tu peux pas envoyer de voice ou si tu étais en train d'envoyer un voice. Voilà ce qu'il faut faire. Tu presses la touche Windows plus la touche barre direction, ok? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va mettre l'écran à gauche parce que tu as touché cette touche-là. Et puis tu commences et tu peux maintenant faire l'ajustement de. Hello, 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 hello. Tu peux maintenant faire l'ajustement d'une voix, ok? D'une voice, ok? Et la notification apparaît par là et puis le voice il apparaît par là. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait cette vidéo, ok? L'objectif de cette vidéo, c'est justement pour t'éviter de perdre des minutes de voice enregistrée, ok? Quand tu es sur WhatsApp Web et que tu es en train de faire une voice et puis il y a une notification qui apparaît. Si tu es sur Google Chrome, je sais que beaucoup d'entre vous et à Google Chrome, si tu es sur Google Chrome et qu'une notification apparaît pendant que tu fais une voice, ça va te déranger, mon gars, ça va te déranger, tu vas perdre et ton enregistrement. Ça, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur la touche Windows et la touche direction vers la gauche, je crois, qui va te mettre la fenêtre par la gauche et tu auras toujours ton enregistrement et tu pourras l'envoyer, ok? J'espère que ça t'a aidé, la vidéo t'aura plu. Et si tu aimes, commente ou lâche un pouce bleu, ok? De toute façon, on aura des vues, ok? Et puis abonne-toi à la chaîne et si tu es sur Facebook, follow la page. C'est Dr. Drone sur Facebook et Young Asian Production sur YouTube, ok? On se voit encore pour une autre vidéo.